bah c'est Soutrash. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car elle sera géniale. Comme d'habitude, les bugs Minecraft que nous allons voir aujourd'hui seront assez chelous pour la plupart. Objectif, 5000 likes. Je sais que vous pouvez le faire. Et c'est parti. C'est parti pour le premier bug. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y aura. C'est une totale découverte pour ma part. Je le rappelle. Alors, c'est parti. Alors, où il va, lui? Il se dirige vers le village PNJ. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aura dans le village PNJ? Alors, qu'est-ce qu'il va faire, là, déjà? Oh, ok, j'ai l'impression qu'il veut invoquer un golem de fer. Il a tout ce qu'il faut pour l'invoquer. Bon, allez, je pense que c'est ce qu'il va faire. Oula! Ouh là là là. Wow! Attendez les amis, regardez! Le golem de fer, il est énervé, regardez, il est méchant! What? Il a du sang et tout! What? Cache-toi, 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 vite, vite, vite! Les amis, regardez, il est en train de chercher! Il cherche dans toutes les maisons! Quand je vous ai dit que les bugs Minecraft faisaient flipper des fois. Oh, oh. Ok, il est en train de manger un villageois. Il est en train de manger un villageois. Hein. Il est en train de manger un villageois. Ah, il fait le tour de la maison, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Oula, un moment plus tard, on ouvre la porte. Ok, il est plus là, je crois. Il a dû se cacher quelque part. Oula! Ah! What, les amis, il a coupé un PNJ en deux! Mais c'est quoi ce monstre? Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Ok, les potes, on est aux côtés d'une grotte. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais les potes, le bug d'avant m'a vraiment fait peur. Enfin, je m'y attendais pas. Franchement, les potes, c'est une totale découverte. Hein. J'ai vu aucun des bugs, voilà. Alors. Là, il va récolter un petit peu de fer, sauf qu'il a pas de pioche. Oh! Ok, il a réussi à couper le fer avec une épée. Du coup, il récolte plein de fer. Et en plus, c'est même pas des minerais de fer, c'est du fer directement... Ok, bon, c'est assez stylé en vrai. Assez stylé, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi dans les commentaires votre bug préféré parmi tout ce qu'on a vu. Enfin, tout ce qu'on va voir, plutôt. Alors... Là, c'est la logique de Minecraft. Du coup, là, ça va être un bug par rapport à la logique du jeu. J'ai hâte de voir, en tout cas. J'ai hâte de voir. Alors, ok, il met des zombies. Ok, un zombie avec une toile d'araignée, un zombie sans toile d'araignée. Ah, ok, il enlève le bloc, du coup. Bah, avec la lumière du soleil, le zombie brûle. Ah, ok, du coup... Un zombie avec une toile d'araignée, ça ne crame pas au soleil. Ah, ah là, ok, là il crame, d'accord. Du coup, c'est vraiment la toile d'araignée qui sauve. Ok, ok, je ne savais absolument pas. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer là? Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, le Steve? J'ai hâte de voir. Ok, il nous fait des rails, il nous fait un manège. On a Astérix, Disney, Futuroscope. Oh! Oh, attendez, c'est une expérience. Ok, il met un villageois. Du coup, le villageois, comme c'est la nuit, il va aller dormir. Ok, il va dormir dans son lit tranquille. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Oh! Ok! D'accord, les amis, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et du coup, pendant qu'il dort, bah, le rail prend le villageois et l'emporte avec lui. D'accord. Ah, et là, il se réveille, d'accord. Ok, bon, les potes, les villageois sur Minecraft, c'est vraiment des personnages très, très spéciaux, les potes. Ils sont très atypiques. Alors, encore une fois, la logique de Minecraft. Ok, ok, ouais, tu peux jeter autant de tridents dans la lave, ça crame, y a pas de problème. Ah! Ah, ah oui, ok, et du coup, comme ça ne crame pas, oui, c'est vrai. Bon bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai les potes, quand tu jettes un item dans la lave, il disparaît direct. Mais quand tu jettes genre l'objet, enfin tu l'utilises sur la lave, bah ça marche moins en fait. Et le feu, ça crame le feu?
Oui, le feu, ça crame. Mais quand tu le jettes comme ça, ça ne crame pas. La logique du jeu, encore une fois, les poteaux. Moi-même, je ne comprends pas. En soi, c'est stylé. Ça reste quand même stylé, les potes. Hein. Un gros like sous la vidéo, les potes, pour plus de vidéos de ce style-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire un portail de l'Ender Dragon. Ok. Du coup, il place les yeux. D'accord, ok. Du coup, le portail va s'allumer. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait un portail du Nether sur le portail de l'Ender Dragon. Oula. Ok, il a allumé le portail du Nether. Et il a allumé le portail de l'Ender Dragon. Ça fait deux portails en un. D'accord. Trop stylé en vrai. Attends, il va réussir à rentrer dedans, à votre avis? Ah, ok, bon. Ok, du coup, ça fait un portail du Nether, mais sans le bas. Ok, ça reste original. Je sais pas pour vous, mais ça reste quand même original. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va faire des petites potions. Il a fait des petites fioles. À quoi ça sert, je ne sais pas trop. On va voir, hein. C'est ce qu'on va voir. Alors, toi, le zombie, tu dégages. Voilà, t'es mort. Alors, toi, le deuxième zombie, t'as pas vu ton copain, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu veux la même chose, voilà. Alors, attendez, est-ce qu'il y en a un troisième, là? Ok, bon, là, il y a l'air d'avoir plus personne. Du coup, on a rempli nos fioles d'eau. Et quand on met de la rotten flèche, ça fait de la potion de zombie. Enfin, ça fait de la potion de chair putréfiée. Bizarre, attends, bois-le pour voir. Qu'est-ce qu'il va faire avec, à votre avis? Ok, il veut pas le boire, a priori. Il se dirige vers le village. Le village. Qu'est-ce qu'il y aura au village? Non! Il offre la potion aux villageois. Oh les amis, il a offert la potion de zombie aux villageois. Bon, on va voir ce que ça va faire. Ah, du coup là il y a... Ok, là il y a notre ami qui dort ici. Enfin, qui s'est fait sa petite base dans une maison de villageois. Ok, il lui a donné la potion. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, les potes. Hein. Oula. Oula. Qu'est-ce qui va se passer? Oula. Qu'est-ce que... Oh, 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 oh. Ok, 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 ok. Wow, ok, 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 ça veut dire les villageois sont... Oh! Ah! What? Mais c'est quoi ce truc? What? Il a explosé. Attends, mais ça veut dire notre ami. Notre ami. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh! What? Oh, c'est quoi ce truc? Incroyable! Ah les amis, ce bug là, c'est le meilleur de toute la vidéo, je ne veux rien savoir. Si vous êtes du même avis que moi, mettez un like important et abonnez-vous. Attendez, mais moi j'ai du mal à croire. Franchement, c'est trop bien fait. Honnêtement les amis, même les skins, les monstres et tout, franchement c'est la première fois que je vois ça sur Minecraft. Et je suis étonné de comment c'est fait en fait, c'est tellement bien fait que je suis choqué. Voilà. Attendez, comment ça une enclume, ça se fait dégommer par des fleurs? Attendez, c'est quoi ce délire? Vraiment? Ah, à part le... Ok d'accord, sinon tout le reste... Tout le reste, ça casse les enclumes. Bizarre. Grave bizarre pour le coup, les amis. Hein. Grave bizarre. Ok, pourquoi pas pour le coup. D'accord. Oh, waouh. Ok, là, on est dans une ferme de bambous. Voilà, il n'y a que des bambous partout. Les bambous, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fruit, enfin l'aliment préféré des pandas, si je me trompe pas. Voilà. C'est quoi ça? Oh, il y a des mobs bambous. Il y a des bambous monstres.
Oh, ils sont mignons en vrai. Ouais, genre, c'est des monstres sympas, quoi, que... Ouais, en vrai, c'est stylé. Voilà, ils sont là, là où il y a les bambous. Franchement, ils se camouflent bien avec leur physique. En vrai, c'est stylé. Oula, c'est quoi, ça? Oh, attendez, c'est un creeper fleur. Un creeper fleur, waouh. Ok, en plus, ça nous enlève tous nos vies, toute notre vie. Ah ouais, quand même. D'accord. Je m'y attendais pas, pour le coup. Oh! Attention, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ok. Il fait spawn un shulker. Ok, du coup, quand tu balances une potion d'invisibilité sur un shulker, on voit que sa tête. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Et quand on se met en survie... Quand on est en survie, qu'est-ce qui se passe? Ah, quand on est en survie, il arrive à nous balancer des... Ok. Bon, je vois pas où trop... Ok, bon, c'est un bug stylé, voilà. Alors, oula. Qu'est-ce qu'on a là? On a une épée en or, déjà, pour commencer. Et on rentre dans une grotte. Oh, ok, d'accord. Le charbon donne du lapis. Le charbon donne du lapis lazuli. D'accord. Ça donne du lapis-lazuli, je comprends pas, du charbon, ok, pourquoi pas. Bon, grave bizarre. On met des petites torches pour bien voir, voilà. C'est déjà la fin de la vidéo, si la vidéo t'a plu, mets un gros like, abonne-toi pour plus de vidéos de ce style-là. Dites-moi dans les commentaires le bug que vous avez préféré le plus. Mettez plein de likes au passage, les amis. Et sur ce mot, je vous dis à la prochaine, c'était Soutrash, ciao ciao.